Nom, Gal. Prénom, France. Taille, 1m59. Poids, 42 kg. Les yeux, marron. Cheveux, blonds. Né le 9 octobre 1947. Profession, chanteuse. Signe particulier, très joli. Ce que nous savons déjà de cette ravissante France Gall qui vient vers nous et qui va être là dans un instant, ce qui est quand même assez exceptionnel chez une dame ou chez une demoiselle que l'on attend. Ce que nous savons déjà, ce sont des renseignements que l'on trouve en général dans les fiches anthropométriques et dans les policiers, d'une façon générale, se contentent. Les policiers, mais pas nous. Nous avons envie de savoir davantage ce qui se cache derrière toute cette blondeur, cette jeunesse, derrière tout ce charme. En principe, France doit être là dans quelques instants. C'est pourquoi je vous invite à l'attendre avec moi. George. Je dis bien dans quelques instants, car... Georges. Ouais. Vous voyez, je ne garantis pas que je ne vais pas succomber à la tentation de la suivre vers quelques pays de perles ou de corail. Ce que je retiens de tout ça, moi, France, c'est que vous êtes un personnage inquiétant. Vous êtes un bébé requin qui ne pense qu'à manger le cœur de celui que vous voulez garder. Oui. Ça vous est venu d'où et de quand cet appétit de vivre, de chanter, de réussir, cet appétit? Bien, de chanter depuis toujours, de réussir depuis... Toujours. Toujours. De vivre depuis toujours. Voilà. C'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, quoi. Oui, c'est vrai, parce que oui, j'ai 20 ans très maintenant. Exactement. Je ne peux pas m'habituer à avoir 20 ans. Eh bien, il faut s'habituer, parce que ces jours-ci, vous avez 20 ans. Oui. France, il y a un phénomène quand même extraordinaire, c'est que vous êtes née dans une famille où la chanson était, si j'ose dire, le violon d'Ingres. Tout le monde chantait la chez musique. Vous. Oui, la musique. Oui. La musique et la chanson. Mm-hmm. Papa chantait. Papa chantait, mais mon grand-père, lui, ne chantait pas. Il faisait la musique. Grand-père maternel ou grand-père paternel? Maternel. Oui. Grand-père maternel, Paul c'était Berthier. M. Berthier. Oui. C'était l'associé de Mgr Maillet. Voilà. Est-ce que lorsque vous étiez toute petite, c'est-à-dire au fond il n'y a pas tellement longtemps, est-ce que vous alliez entendre les petits chanteurs à la croix de bois? Oui. Et j'en garde d'excellents souvenirs, d'ailleurs. Et est-ce que lorsque papa chantait, vous n'alliez pas de temps en temps dans les derrière coulisses? Derrière les rideaux. Hein? Oui. Et est-ce que vous, déjà à cette époque-là, vous vous disiez, ma petite France, il faut qu'un jour tu chantes aussi? Je ne sais pas si je me disais ça, mais je voulais faire quelque chose de peu commun. Quelque chose que ne fait pas toutes les jeunes filles. Et ce métier, comme je chantais, j'étais toujours première en classe de musique, je jouais de la guitare. Parlons un peu de ça, puisque vous avez l'imprudence de mettre la conversation sur ce sujet. Oui. Parlons de classe. Vous avez fait vos études au lycée Paul Valéry. Paul Valéry, oui. Vous avez été une très brillante élève. Vraiment? En ce qui concerne la chanson. Ah, la musique, oui. Est-ce que vous avez fait du latin ou du grec? Non, pas du tout, j'ai fait moderne. Moderne, c'est-à-dire de l'anglais et de l'allemand? L'anglais et l'allemand, oui. Qu'est-ce que vous avez traduit comme livre anglais? Quel était votre livre de prédilection? She Stoops to Conquer? Mais je ne sais absolument pas. Vous parlez anglais? Non, enfin, un petit peu, je me débrouille. Qu'est-ce que vous dites? Bonjour, bonsoir, quand même. Ah non, quand même, un petit peu plus. Et allemand? Allemand, je ne fais que chanter allemand. Vous voyez que ça sert quand même pas mal, les études. Oui. Bon, France, dans l'immeuble que vous habitez, du côté de Boulogne, il ne faut pas être trop indiscret, il y a un étage intermédiaire des garçons qui s'appellent Gall et qui sont très connus parce qu'ils voyagent énormément. Sont les Jacques frères Gall. Et François Gall, oui. Oui. Ils ne sont absolument pas notre famille, mais nous nous appelons quand même cousins, de toute façon, quand nous nous rencontrons dans l'escalier. Et vous n'êtes pas du tout de la même famille? Non, pas du tout. Bon, alors, un jour, France, vous avez quitté le lycée Paul Valéry, c'était à l'époque de la troisième, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais 15 ans. Et puis vous avez décidé que la chanson... Enfin, mon papa, un petit peu, m'a aidé, avec papa. Il m'a poussé. Ça n'a pas été un coup de tête? Non, pas tellement. Bon, et alors, comme vous avez un petit côté de sirène d'Andersen, vous avez décidé que le garçon que vous attendriez viendrait du Grand Nord, de Norvège, et qui s'appellerait Christiansen. Il a tout emporté pour me le redonner. Quand je le reverrai. Au fond, c'est triste, non, qu'il soit parti comme ça, Christiansen? Non, parce que je sais qu'il reviendra. Ah, vous êtes encore là, je vous pensais qu'ils partent et ils reviennent retrouver. Comme ça. Vous êtes promis, vous croyez aux promesses? Oui. Oui.
Bon, je pense faire. En attendant que Christiansen revienne, d'ailleurs, il faut préciser que Christiansen, ce n'est pas la première chanson à succès que vous avez eue. Je crois que la toute première s'appelait « N'écoute pas les idoles ». Ah, ben Gainsbourg est entré dans le jeu, là. Ah, Gainsbourg est entré dans le jeu. Et ce qui est très étonnant en France, c'est qu'on voit Gainsbourg toujours dans toute votre vie. Ça n'est pas un échantillon de temps considérable, votre vie. C'est d'artiste, ça a 2 ans. Mais enfin, depuis 2 ans, Gainsbourg est là. Oui, il me suit, mais fidèle. À chaque disque, j'ai une chanson de Serge dans mon disque. Ah, mais dites, vous me parlez de Gainsbourg avec, me semble-t-il, beaucoup de tendresse. Est-ce que ça ne serait pas un peu votre type de garçon, Gainsbourg ? À moi ? Écoutez, je ne sais pas, il faudrait que je réfléchisse. Bon, ben, je vous laisse le temps de la réflexion, vous me donnerez la réponse plus tard. Mais parlons de Gainsbourg. Il vous a écrit une très jolie chanson qui s'est appelée « Poupée de cire, poupée de son », entre autres chansons, car il en a écrit beaucoup, mais celle-là vous a valu les plus grands honneurs et la consécration. Oui. Premier prix de Eurovision à Naples, en 65, mars 21. Et l'heure ? 9h du soir. Tout ça s'est passé en direct, à 9h du soir. Vous avez fait votre apparition, est-ce que vous étiez sensible au trac ? Est-ce que vous étiez inquiète ? Non, j'ai pas tellement eu le trac. J'ai eu plutôt le trac quand je suis revenue. Ah bon ? Enfin, ça s'est fait très vite parce que pendant qu'on donnait les résultats, moi j'avais été boire quelque chose. Et on est vite venu. Je sors dans le couloir, je vois 25 photographes se précipiter en me disant vous avez gagné, tous en italien. Imaginons qu'il y ait eu des ballottages et que les discussions étaient longues, vous auriez bu jusqu'à en attendant le résultat ? Oui, et on m'a poussé sur scène comme ça, j'avais toujours un châle sur les épaules, on m'a pris le châle, on m'a poussé sur scène et j'ai rechanté très mal d'ailleurs la deuxième fois. Tellement vous étiez émue ? Oui. Est-ce que ça a été pour vous un événement considérable de paraître devant le grand public, devant le monde entier, puisque c'était l'Eurovision, de porter les couleurs de Télé-Luxembourg, puisque vous étiez sélectionnée par Télé-Luxembourg? Oui. Est-ce que dans votre vie de petite fille, ça a été un événement extraordinaire? Ça a été merveilleux parce que ça m'a apporté des tas de voyages et ça m'a permis justement d'aller dans beaucoup de pays. Enfin, un petit détail, vous portiez ce jour-là, pour défendre cette chanson, une ravissante petite robe de mousseline plissée et vous étiez le champion de cette mode. Est-ce que vous avez changé depuis? Oui, j'ai changé parce que maintenant, un petit peu démodé. Non, je porte des robes tout aussi romantiques, mais un petit peu plus simples. Bon, alors c'est dans une petite robe aussi romantique, mais un petit peu plus simple, comme dit France, qu'elle va chanter Poupée de cire et poupée de son. D'accord. Si Serge est mon type d'homme, eh bien, non, je ne crois pas. J'aime bien les garçons plutôt blonds aux yeux bleus, mais j'aime énormément Serge parce que c'est un garçon qui est très très intéressant, il est très bizarre, j'aime beaucoup parler avec lui, chansons et autre chose, il m'amuse beaucoup. Et ma foi, je ne me marierai pas avec lui, mais j'espère le garder le plus longtemps possible comme compositeur et auteur. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupées de cire, poupées de son. Poupée de cire, poupée de sang, c'est quand même la chanson d'une petite fille à qui il arrive des choses extraordinaires, qui est sacrée à Naples devant tout le monde, devant l'Europe entière, devant le monde entier. Mais cette petite fille va quand même évoluer parce que c'est pas possible de vivre ainsi dans un milieu si mondain, de recevoir les journalistes, de recevoir les fleurs, de recevoir les applaudissements, sans passer de la poupée à des problèmes un peu plus complexes, non ? Alors comment s'est fait l'évolution ? Est-ce que vous avez lu beaucoup ? Est-ce que vous avez vu beaucoup de choses, beaucoup de gens ? J'ai beaucoup voyagé. Et puis, j'ai lu très peu parce que j'en ai fort peu le temps. J'ai découvert le cinéma, pas encore le théâtre. Il me reste encore, évidemment, énormément de choses à apprendre et j'ai le temps. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai vraiment eu très peu le temps de faire ces choses-là, en dehors de mon métier. Et est-ce que vous avez beaucoup de curiosité des choses et des gens ? Est-ce que vous avez envie de connaître ? Des gens ? Oui. Oui, c'est toujours très intéressant, quelqu'un. Est-ce que vous avez quelquefois envie de vous perdre dans un musée, je ne sais pas, ou l'air de vous enfoncer dans une salle de concert ? Non, pas tellement. Non, pas tellement. Non, mais les musées, je les ai tous vus. Oh, à 18 ans ? À 19 ans ? Oui, quand j'étais... À 20 ans ? Ben oui, quand j'étais au lycée. Tous les musées ? Vous croyez qu'on vous a conduit au lycée Paul Valéry, dans tous les musées ? On n'y a pas conduit, j'y étais de moi-même, avec mes frères, et avec mes parents. Mais tous les musées, il y en a tellement. Non, enfin, que les principaux, dire. Ah bon. Et sur le plan alors de la lecture, vous me dites que vous avez lu pas mal. Qu'est-ce que vous avez lu ? Quel est le livre français qui vous a lu le plus ? Qui vous a ému, touché le plus ? Le Grand Môle. Le Grand Môle, ça c'est une très bonne chose. Vous avez vu le film ? Oui, mais je dirais que je préfère le livre quand même. Oui. Sur le plan de la musique, vous écoutez toutes les chansonnettes qui viennent d'Amérique, d'Angleterre et d'ailleurs. Oui. Je suppose que vous aimez les Beatles, mais qu'est-ce que vous aimez encore ? En dehors des Beatles, oui. ou
mon chanteur préféré français, je crois, est Eddie Mitchell. Je l'aime beaucoup. Sinon, chez moi, j'ai toujours sur mon pick-up ou un disque de Julie London ou alors les Swingle Singers ou alors Lucier. Oui. Est-ce que vous savez un petit peu ce qui se passe dans le monde, en dehors du domaine de la chanson? Il y a la politique. Non, je connais les gros titres, mais en dehors de ça, non. Il y a des gens, des hommes qui se battent, vous savez? Oui, ça je sais. Quelle est votre réaction de petite fille charmante qui chante les poupées et un peu l'amour? C'est très loin. Oui. Vous avez raison d'ailleurs, vu que ça reste très loin. Voyons, je voudrais savoir comment quand même on passe de la poupée de cire et de la poupée de son au problème qui concerne une jeune fille de 20 ans, c'est-à-dire au problème où le cœur a une part plus grande et où on a le risque de ne pas être toujours très très heureuse. Des gros chagrins. Oui. Comment ça arrive? Eh bien, moi, ça se passe très bien. Alors, finalement, le gros chagrin, ça n'arrive que par l'intermédiaire de la chanson? De la chanson, oui. Eh bien, il faut que vous ayez beaucoup de talent, France, pour chanter si bien les soucis de cœur, en ayant si peu d'expérience. Et France, comment voyez-vous votre vie plus tard? Dans les nuages. Dans les nuages, rien de précis encore? Non, rien de précis. Mais c'est-à-dire, moi, j'étais certaine que je serais à 25 ans mariée, déjà peut-être pas encore avec des enfants, mais enfin à 30 ans, déjà une vie très paisible, avec trois enfants, parce que je veux trois enfants. Et j'ai été voir, j'étais obligée pour un journal à Munich d'aller voir quelqu'un qui lit dans les lignes de la main. Quelqu'un très réputé là-bas, et il m'a dit qu'à 30 ans, je ne serais toujours pas mariée, je me marierais justement au milieu de ma vie, et que je ne serais pas du tout à la maison, je ne resterais pas à la maison, je continuerais mon métier avec mon mari qui m'aidera, qui me suivra partout. Et alors j'étais très surprise, et un peu ennuyée d'ailleurs, mais il faut parce pas, que je ne m'y attendais pas. Vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez aux fantômes? Est-ce non, que vous croyez enfin, à ce qui est un peu irréel, aux voyantes, non? Non, pas du tout, non, mais je ne recherche pas du tout ce genre de personnes. Je crois qu'il ne faut pas croire du tout. Votre tendance serait plutôt de vous marier assez jeune et d'avoir des enfants assez vite, non? Eh bien oui, mais quand même j'étais un petit peu déroutée parce que m'a dit cet homme. Et le genre de garçon que vous imaginez, il ressemble un peu à qui? Je ne sais pas, mais je vois qu'il ait les yeux bleus. Qu'il ait les yeux bleus. Et parmi les garçons jeunes qui existent dans le cinéma ou dans le sport, il y en a pas un qui ressemble un petit peu à cet idéal vague? Je sais pas, moi mon acteur préféré s'appelle Terrence Stamp. Il a des yeux merveilleux bleus, mais sinon je ne le connais qu'au cinéma, donc je ne peux absolument pas me rendre compte si c'est mon type d'homme ou pas. Et les enfants s'appelleront comment? Je voudrais un garçon qui s'appelle Cyril, et je voudrais que ma fille s'appelle Sybille, mais Cyril et Sybille, ça va pas du tout ensemble, alors je sais pas comment je vais faire. Tu pourras les appeler, et surtout si une troisième a un prénom de ce genre-là. France, finalement, vous êtes une fille très équilibrée, très sage. La balance. La complication, ça vient de l'extérieur, quand vous allez voir un monsieur qui lit dans les lignes de la main à Munich. Mais ça, c'est pas grave. Et finalement, vous ne ressemblez pas du tout à ces petites Américaines de 15 ans un peu folles qu'on trouve dans les bouges et qui s'adonnent à la boisson et aux stupéfiants. Non, pas du tout. Et pourtant, mais je chante. Vous n'hésitez pas à les chanter? Non, pas du tout.